Est-ce que la Colombie est capable de mettre dos l'Argentine en terre finale Coupe América? Ces questions, ça nous va laisser répondre jour et jour. Dans Tempo Sport. Je suis accompagné de Herbert Niret, à qui m'a dit bonsoir. Bonsoir, Childo. Donc, on pose un gros bout de questions là, Rounia. L'irrité pour nous, souterrain qui répond à la fin. Et l'Argentine, Colombie, sont très belles matchs. Il y a des gens qui disent que c'est deux belles sélections dans la compétition pour aller jouer. Donc, il n'a pas été temps pour nous, souterrain, comment ça va aller. Mais je vous dis, c'est un plaisir pour nous analyser tout ça. L'Argentine, c'est 15 fois vainqueur de la Copa América. La Colombie, de son côté, a un seul titre. C'était en 2001 à domicile. Il y a un titre quand même qui était fait en pile parler à l'époque. Nous parlons pour nous parler sur ça, oui. Mais pour le match dimanche, là, ce dimanche, et donc l'Argentine va gagner, il faut faire face à l'équipe colombienne qui sortit dans une poule qui était vraiment difficile, qui était le Brésil là-dedans. Donc ils même sont sortis l'Uruguay et ils reviennent en finale avec surtout. Il y a un James Rodriguez qui est en grande forme, ce qui a le vent pour déjà 6 passes décisives dans la compétition, déjà plus Manuel comme meilleur joueur de compétition. Moi, je suis d'accord. Parce que quand même, c'est pas statistique seulement, non, c'est apport, c'est. Je suis capable de dire un prix, il y a un sous-jouet colombien. James Rodriguez, qui est quand même dans le 31e, son joueur qui passait de présentation par rapport avec parcours dans différents clubs en Europe, dont Real Madrid, Monaco et la Trier. Donc James Rodriguez qui a gratifié nous donc très bien. Mais je n'ai pas réussi dans le club, ça, vraiment. Assez. Mais le passé quand même. Parce que son palmarès qui est solide par rapport avec le trophée, même si au cas il n'est pas grand pile, mais quand même le trophée au pouli net. James Rodriguez qu'on en a pris de temps et ça va le remettre face à l'Argentine. Même parce que son match cap tough, parce que c'est des équipes brigands, j'aime bien dire. Si monsieur pas hésité, bah coup de pied. Donc son duel qui promet, a bien pile faute, a bien pile engagement. N'a pas gardé pour nous qui est capable de sortir vainqueur. Exactement. Et je t'ai dit, James qui sorti une masterclass pendant la compétition, ça, 6 passes décisives, ça n'a pas jamais fait. Dans une édition Copa América pour un joueur délivrer autant de passes décisives, même Messi n'a pas jamais pour faire autant dans une seule phase. Donc, monsieur qui a porté l'équipe ça, mené au final. Mais il n'y a pas que James, dans l'équipe ça a gagné Luis Diaz, qui a fait une très bonne compétition. Tout. Donc, il faut que nous précisions ça. Monsieur qui est sorti de une belle saison tout avec l'équipe Liverpool. Hein. Donc, monsieur qui déjà dans le visuel pas mal de clubs en Europe, dont le Barça. Donc, finalement, c'est un final qui est vraiment important pour l'Argentine, qui sourit pour le fait. Il y a un triplé historique. Donc, l'Espagne était fait 2008, 2010, 2012. L'Argentine est capable de faire parce que l'Argentine gagne la Copa América 2021, la Ligue mondiale 2022. Si elle gagne la Copa América, c'est vraiment un triplé vraiment qui est intéressant pour Lionel Scaloni surtout. Depuis qu'il est venu à l'équipe, ça, qui métamorphose ce groupe-là et l'Argentine qui vient jouer une formule de la gagne. Non, mais Scaloni pour être équipe en 2018. Donc, malheureusement, le Brésil est champion de Copa América 2019. Mais depuis lors, Scaloni prend tout trophée net. Il est participé net. Coupe América 2021, finalissima face à l'Italie, Coupe du Monde 2022. Et on est arrivé dans la finale avec Colombie. Donc Scaloni, son coach qui fait non beaucoup de sélections. Et nous ne savons pas si après aventurer dans cette Argentine, il a décidé pour un club, ou bien si la première continue avec la sélection nationale. Mais quand même, c'est qu'il y a une place dans l'histoire de l'Argentine pour ça réaliser en tant que coach. Qu'on est assuré d'avoir une formule pour battre Colombie, une équipe qui vont jouer, moi-même dit, qui est imprévisible, parce que tout le monde a marqué, tout le monde a beau goal, et Colombie, son adversaire, à prendre au sérieux. Très au sérieux même. Donc la Colombie, il n'y a pas de garder l'histoire là. Dans la Copa América, son seul titre, il a fait deux finales, parce que 75, il a perdu la finale là. Mais en 2001, il était champion, puis il y a une compétition qui a joué la CAIO. Et si on a fait l'histoire, on n'a pas appliqué en 2001. Copa América, tu as fait dans le pays la Colombie, mais avec question terroriste, des problèmes de sécurité et tout. Des drogues. La CONMEBOL t'a décidé de choisir un autre pays, qui était probablement en Venezuela pour accueillir la compétition. Mais quelques jours avant le début de la compétition, il va retourner sur la décision ça pour Kembe à leur déroulement de la compétition en terre colombienne. Ça va le passer. Il menace les joueurs argentins, si nous venons, ils nous touillent. Et l'Argentine dit non, il n'est pas capable de participer, il n'est pas venu dans la compétition. Le Canada, vainqueur Gold Cup un an avant, t'es supposé venir et tout, il va décliner la participation. Parce que les joueurs qui ont quitté quand de base l'équipe canadienne leur a annoncé que la Colombie n'a pas organisé la compétition encore. Donc, ils n'ont pas prêt pour venir jouer dans la compétition. Donc, le Honduras va venir comme invité dans la compétition ça, avec le Costa Rica. Ça va passer, la Colombie va gagner la compétition. Pendant le match, tout match, il n'a pas pris aucun goal. Et le Honduras qui était invité à la dernière heure, parce que le joueur Honduras est arrivé le 13 juillet, le 13 juin, pardon, et en terre colombienne, c'est la compétition a déjà commencé. Et je arrivé à ces jours, je premier match. Donc, pour montrer comment le contexte était à l'époque. Donc, on doit se faire éliminer le Brésil,
Honduras va finir parmi quatre plus bonnes équipes dans la compétition. Et j'aime dire là, la Colombie va gagner Mexique 1-0 en finale grâce à un goal de Ivan Cordoba, c'est joué Inter Milan à l'époque. La Colombie passe de deux joueurs quand même emblématiques. C'est la cité génération dorée 80-90 qui était Valderrama, qui était Aspria, qui était Redine, Freddy Rincon. Donc c'est une belle génération. D'ailleurs, ils même battre l'Argentine dans la Copa América 87, l'Argentine de Maradona, de Caniggia et tout. Donc pour montrer qu'ils sont une équipe qui a toujours gagné de très bons talents, même si Palmarès n'est pas gonflé, mais c'est en Colombie quand même qui rêvait de l'autre étoile dans la Copa América. Est-ce que vous pensez James Rodriguez, après que tout le monde pensait qu'il était fini dans le football, se retourner et ça en feu, est-ce que vous pensez vraiment monsieur capable de permettre l'équipe ça et joindre un deuxième titre dans la Copa América? Bon, le bon sens simple, c'est oui. Parce que quand même, on s'est mentionné le fait qu'il était champion en 2021, son campagne qui était très, très controversée, très critiquée tout. Mm-hmm. Parce que le Brésil, quand même, qui était participé, c'est ton équipe bis, entre guillemets. Mm-hmm. Parce oui, que même gros joueurs brésiliens, pas de vouloir aller parce qu'ils sont menacés, ils ont aller au batouné, ou à Samdoulan. Bah, il était compliqué dans la Colombie à l'époque. Mais James Rodriguez qui montrait les gains football en bas pile toujours, malgré l'âge, malgré la vie au Brésil toujours, c'est même pas un défaut. Qui pas un championnat qui est trop réputé dans le niveau mondial. Mais quand même, et Colombie, si une équipe qui a battu l'Argentine plus de problèmes dans la compétition, c'est Colombie. Une équipe qui a pensé que c'est lui qui t'a passé, qui a souhaité ça tout. Mais je m'ai parlé avec différents fanatiques brésiliens qui ont contact avec mes amis, etc. Ils ont dit qu'ils préféraient c'est Colombie. Parce que j'ai dit qu'ils ont une équipe qui a battu le bateau. Il y a un fanatique brésil. Qui red. Fanatique brésil a marché. Tout le monde a joué dans le bateau. Non, j'ai supporté Colombie. Ça n'a pas déformé pour mieux. Son problème n'y est pas. Fanatique brésil oblige à marcher derrière toute équipe argentine à jouer. Parce que l'Argentine, c'est final. Vous n'avez pas dit que vous avez une finale, vous êtes au final. L'Argentine, un fanatique argentine. Oui, vous êtes au final. Donc c'est pour montrer que l'Argentine est en forme, Denis Tazaro. L'Argentine est très en forme. Et si on regarde le nombre de finales, il y a fait depuis 2014, sous 10 dernières années, 2014 finale Coupe du Monde. Face à l'Allemagne, il y a perdu. Face à l'Allemagne, ok. 2015-2016, il y a perdu deux finales contre Chili, il y a une derrière l'autre. Donc l'Argentine, 2019, si vous n'avez pas fait finale Coupe América, parce que le Brésil est éliminé en demi-finale. Mais après 2019, 2021, il y a champion Coupe América. 2022 pour un finaliste majeur pour la Coupe du Monde. Et année ça, on a en finale encore. Et même si c'est la dernière Coupe América de Messi et de Di Maria qui déjà annoncé que les souffrants, les souffrants descendants là. Donc l'Argentine qui, quand même, dernier temps ça, gagne un résultat. Et si on regarde les 4-5 dernières années, l'Argentine va perdre 4 matchs. L'Argentine va perdre 4 matchs. La compétition officielle. Donc l'Argentine qui. Son rouleau compresseur. Exactement. Et Messi toujours là, Messi toujours courageux, même si ce n'est pas Messi nous connaît, qui était en forme non, physiquement. Je vais encore commencer pour mais ça reste quand même Lionel Messi. Non, mais pendant parler de Messi, c'est quand même bien souligner ça, parce que Messi réussit à faire goal dans la compétition, dans la demi-finale qui s'est passée. Ça a peut-être un signe que Messi, par contre, il est venu voir toujours dans la finale. Là. Face Colombie. Mm-hmm. En tout cas, fanatique argentine, nous t'a souhaité ça. Moi-même, tous qui sont spectateurs neutres, nous t'a souhaité ça tout pour spectacle. Hein. Argentine-Colombie, son bel match, deux belles gauches qui ont mené l'équipe en tant que capitaine. On a parlé de James Rodriguez avec Lionel Messi, bien évidemment. Donc, Colombie, je pense qu'il est dangereux avec Cordoba devant, avec Luis Díaz, James Rodriguez dans le milieu de terrain. Hein. Mm-hmm. Son équipe, franchement, je pense. Et je vais mettre 50-50 pour mettre ça, parce que quand même, parcours Colombie, qui quand même est écrasé Panama dans le quart de finale, 5-0, qui a fait nul avec Brésil. Colombie qui beaucoup perdu des pièces match. Colombie dernier, alors qui souhaite gagner l'Uruguay 1-0, malgré qu'il a joué en moins. Mais bien la première mi-temps, moi quoi. Il a joué en moins. Première mi-temps. Donc c'est pour elle vraiment. Il y a un match important entre deux pays, ça y est. Colombie et Argentine, donc c'est pour elle finale. Et Copa América pour édition ça. Et je pense que j'ai en Argentine, Colombie, tout, trois pénalties ratées par les mots. Ce n'est pas contre Colombie, je pense que j'ai pas. C'est amical. On a fait un année 90, donc trois pénalties manquées de Martin Palermo. Donc l'Argentine-Colombie qui, quand même, a eu un match tant attendu. Donc qui est-ce qui va le champion? Ces questions, ça m'invite le public à répondre. Et ou même ou non 50-50 franchement. Moi-même, dans 50-55 pour la Colombie, vu ça proposer. Bah, Colombie avantage. Ouais. Parce qu'ils ont dominé le Brésil. C'est osé. Tu regardes les matchs Brésil, ils ont dominé le Brésil dans le jeu. Si on regarde les matchs contre l'Uruguay, ils ont dominé l'Uruguay dans le jeu, même réduit à 10. Donc, moi, c'est que c'est qui a proposé mon football dans la compétition. Mais comme on est en âme sud, c'est pas qui sont proposés comme football. Là. Peut-être que son match qui parle électrique, peut-être son match qui parle le foot là dans l'île. Donc, il y a un détail capable de décider de sortir contre ça. Mais à mon avis, c'est que la Colombie, c'est meilleur
expression collective ouais dans la compétition ça. Par contre, d'accord avec. D'accord, jusqu'à présent. Argentine a une belle expression collective tout, si nous voulons mentionner ça, de même que l'Uruguay, mais en Colombie quand même, c'est avantage. Et en espérant avantage ça apparaît dans le match, comme ça spectacle avec le spectacle en fait à pour rendez-vous. Son match qui a vu dans Hard Rock Stadium dans la ville. C'est Shakira qui a là pour mettre l'ambiance à la cérémonie. Shakira colombienne. Ça veut dire ça qui a une motivation supplémentaire pour les Colombiens. Bah, on est mouillé parce que quand même Shakira danse sur scène. C'est pas la mamie. C'est pas la mamie. On va faire tout ce qu'on a net pour porter le trophée à Bali. Donc, il y a un peu de temps pour nous vraiment s'habiller. Mais tout un vélo est réuni, je dis. Tout bagaille bien passé. Exactement. C'est un post-sport, un nouvel épisode. Nous avons parlé de l'Argentine-Colombie finale. C'est pour elle vraiment et dimanche soir, à soir même. Et parce que c'est pour elle très important. Et Messi face à Messi Rodriguez. À Miami, qui c'est dans fief Messi parce que Messi s'est joué inter Miami. Donc, je pense que Ampil a essayé de faire des places pour aller assister à belle finale ça parce que c'est chargé fanatique argentine qui est hyper motivé pour y aller savourer encore une fois une finale de l'Albi Céleste. L'Albi Céleste. Qui a cherché une 16e étoile, une façon pour devancer l'équipe. Uri Goyen de Marcelo Bielsa. Merci tout le monde. Pas oublier nous là, c'est grâce à Tim, c'est nous là, c'est grâce à Bel Pariage. Pardon, nous là, c'est grâce à Saïta qui s'équipe en sélection nationale là. Sans oublier J-Cube. Merci à tous. Bel Pariage, c'est jouer, gagner, toucher.